Et bienvenue pour la première vidéo de ma chaîne YouTube. Et c'est pas n'importe laquelle, parce que c'est les championnats de France d'aviron indoor. Indoor, pour ceux qui savent pas, c'est les rameurs type ergomètre qu'on retrouve dans les salles de sport. Du coup, je suis de retour à Biarritz pour ce week-end, pour faire la compétition. Je devais la faire avec mon padré, mais finalement, il peut pas. Du coup, je l'ai fait toute seule. Ben là, c'est le matin. Du coup, je sors le chien fou. Et puis on va préparer ça. J'ai la course à 11h40. Au niveau organisation, je sais qu'il faut relier le rameur. Je sais qu'il faut relier le rameur à l'ordinateur. Et puis après, il y a le live qui se fait en direct avec le décompte. Début de l'échauffement pour le rameur. C'est dans 40 minutes. Je commence tout doux sur du vélo. Et après, place au rameur. Là, je vais faire 10 minutes de vélo tranquille. Et après, je vais passer sur du spécifique sur le rameur. Et voilà. Pour ceux qui veulent voir l'organisation de ces championnats, bon, Jessica attend. Comment on fait pour changer? On peut pas. Du coup, c'était rameur concept 2 connecté avec l'ordinateur. Ouais, c'est bon, j'ai compris. Connecté à l'ordinateur, du coup c'était format à la maison. J'aurais préféré être à Paris pour l'édition, être tous ensemble, avoir un peu plus de motivation, mais bon, c'était pas le cas, peut-être l'année prochaine, donc on verra. C'est si pause. Non mais ça déconne. Cool. C'est bon pour les prochaines. Tu sais combien il fait? Il fait combien le premier?
Le premier, une 14. Le deuxième, une 18,5. Le troisième, une 19,5. Ah oui. Une 19,8, une 23, une 25, une 29, une 22, une 22,0, une 22,4. Quelque chose là. Bon, non. Je, et si vous avez fait, moi c'était juste la série avant. Ah. Les 50. Ah. C'était bien qu'elle était toute mais. Ouais, dis donc. Mais c'est ça, c'est une période. Mais... Je te jure. J'ai jamais vu ça en agence. Ah, j'avais envie de vomir. Bon, je viens de terminer ma course. J'ai pas récupéré, j'ai combatté. On m'a fait un massage et tout parce que j'étais vraiment, vraiment pas bien. Je pense que c'est l'une des lueurs les plus affreuses qui existent. Pour avoir fait des courses de natation et avoir fini mal, franchement là, un 500 mètres rameur, ça laisse des séquelles. Oh là là, une 22 et quelques, c'est pas trop mal. C'était un peu compliqué avec la natation, les muscles et de gérer en plus le rameur à côté. Surtout que la compétition finalement elle est assez tôt dans l'année, on est début février. Une 22, on essaye je pense pour l'année prochaine de se rapprocher des 1,20. Je crois que je finis 7e français de ma catégorie, en sachant que tout le reste des participants, c'est des personnes qui font de l'aviron. Donc franchement, plutôt content. Place à la récupération, place à de nouveaux objectifs. Et je vous en parle tout de suite. Et ça c'est mon meilleur supporter. Un matitine. Oui, assis-y. Assis-toi à la papate. Oui, c'est toi la meilleure, c'est toi qui vas m'encourager. Ouais. Bah oui. Bon, de retour à Bordeaux, dans les nouveaux locaux pour une nouvelle semaine avec la team All Muscu. Bilan de la compète, pas mal de courbatures au niveau du dos, pas mal de fatigue, même si c'est que 500 mètres. Oh, c'est Lolo. C'est Lolo. C'est Lolo. C'est Lolo S. C'est Lolo S. Ah, première apparition dans la chaîne de Paul, ça fait quoi? Oh, trop bien. Alors, t'as pensé quoi de ma compète? C'est le best. Voilà, Lolo, vous la reverrez pour de nouveaux awards, pour de nouveaux trucs avec elle. Sinon, quoi de beau pour la prochaine vidéo YouTube? Parce qu'on va pas, on va vendre du rêve à nous abonner, Lolo. Ah bah oui. Eh oui. Du coup, préparation marathon.